Voilà, nous sommes actuellement avec le maire de la commune de Bakel pour faire une interview que l'on mettra sur le futur site du département de Bakel, si Dieu le veut, Inch'Allah. Tout d'abord, je vais demander à monsieur le maire de se présenter. Monsieur le maire, c'est qui, monsieur Seriba? Merci beaucoup. Je m'appelle Seriba. Je suis né ici à Bakel en 1940. C'est là effectivement que j'ai fait mes études primaires jusqu'au niveau du CEP. Malheureusement, pour l'entrée en sixième, bien que je devais aller à Saint-Louis pour des raisons de santé qui m'a retenu pendant plusieurs années, donc je n'ai pas pu poursuivre mes études. Donc je suis resté coulé ici à Bakel. Et par la suite, je suis allé à Kamakunda, où il y avait mon oncle, auprès de qui je suis resté pendant plusieurs années. C'est par la suite que j'ai dit que rester à Tamba ne réglait pas mon problème. Il fallait donc que je revienne ici à Bakel. Et c'est à Bakel où, effectivement, j'ai commencé à travailler au niveau de la préfecture de la résidence, l'ancienne résidence de Bakel, en 1962. Comme secrétaire de télégraphe, ensuite comme comptable et également comme opérateur radio. Je suis resté donc à la préfecture de 62 à 1995, année de ma retraite. Donc, sur le plan des activités, j'ai également dirigé des associations de jeunes. J'ai été le premier à organiser ici, pendant les vacances, des rencontres de jeunes. J'avais créé l'association qu'on appelait à l'époque Espérance Club de Bakel. Nous avons donc monté une association, on a fait des activités sportives, des activités théâtrales, et j'ai conduit également, avec Feu Boka Sissoko, en originaire également de Bakel, la troupe de Bakel qui est allée faire plusieurs présentations dans le cadre de l'UNESCO en France. Donc à mon retour dans les activités politiques, j'ai commencé donc à m'intégrer, à m'intéresser à la politique. C'est en 1978 que j'ai été désigné comme représentant syndical au nom du conseil municipal. En 1980, donc j'ai commencé à être comme conseil municipal élu. Et c'est là que j'ai été nommé d'abord dans un premier temps comme deuxième adjoint au maire de Bakel. Donc c'est en 2002 que j'ai été nommé premier adjoint au maire de Bakel. Après cela, un an après, le maire qui était là, qu'on avait désigné, M. Abdelaziz Tania, compte tenu de cette nouvelle fonction de directeur de l'ARD qui était incompatible avec ses fonctions de maire, il avait démissionné et le conseil municipal de Bakel a jugé bon de me nommer comme maire de Bakel. Et ça fait, c'est le 15 mars 2007. Et donc depuis du 15 mars 2007 à nos jours, j'assume les fonctions de maire de la commune de Bakel. D'accord. Le maire vient de se présenter. Là, on va lui demander de présenter un peu sa commune, la commune de Bakel. Bon, comme présentation, je crois que déjà vous avez certainement commencé à voir le document qui figure dans le PIC. Comme vous le savez, Bakel est une vieille ville, comme le disent d'ailleurs les anciens. Je crois que les anciennes villes coloniales, c'était d'abord Saint-Louis, Rufisque et ensuite Bakel. Donc en tout cas, Bakel a été créé en 1818 par le capitaine Feder, par le capitaine de frégate Feder. Et comme vous le voyez déjà, il y a eu des constructions. C'était un lieu qui servait de commerce à l'époque. Parce qu'après Saint-Louis, les commerçants venaient ici à Bakel pour la commerce de la gomme arabique. Finalement, le colon a jugé bon, compte tenu des attaques qui se faisaient avec les Maures, de faire de Bakel un poste militaire. Ce poste militaire donc a été créé effectivement en 1818. Jusqu'à présent, c'est après l'indépendance.
ce fort sert de bureau et de résidence de l'autorité administrative de Bakel, du commandant de Sèvres, jusqu'à maintenant avec les forums. Maintenant c'est au lieu de résidence, maintenant c'est la préfecture. Et c'est le préfet qui loge là-bas avec en haut et à l'étage, c'est le domicile. Et là-bas, comme ce sont des bureaux. Alors, donc pour Bakel, comme vous le savez de tout temps, il y avait de vieux quartiers, il y avait les quartiers de Yagini, de Modinkane, de Ndiaga, de la Montagne et de Green Palais. L'évolution aidant, nous avons créé donc de nouveaux quartiers. Il y a le quartier de Bakelkoura et le quartier de Dar Salaam. Au niveau de ces différents quartiers, nous avons le maire a quand même ses représentants, en l'occurrence des délégués de quartier qui sont nommés, qui aident le maire à suivre les populations, tant en ce qui concerne les naissances, mariages et décès, pour quand même que l'enregistrement puisse se faire dans les règles. La commune est très enclavée. Hein. Nous avons eu ici quand même des enseignants de choix qui ont fait de très bons résultats depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Et maintenant, avec l'indépendance, nous avons eu dans un premier temps la construction d'un collège. Bon, vous le savez, à l'époque, tous les élèves qui réussissaient à l'entrée en sixième étaient orientés soit à Saint-Louis ou bien à Dakar. Hein, compte tenu de toutes ces difficultés-là, donc nous avons eu la chance quand même d'avoir un collège et récemment nous avons un lycée. Donc c'est dit que maintenant les enfants de Bakel non plus à se rendre à Dakar ou ailleurs, à moins que tous ceux qui ont eu la chance de réussir au bac pour aller continuer leurs études à l'université de Dakar ou à l'université de Saint-Louis. Sur le plan donc éducation, c'est ça. Les difficultés que nous avons, c'est une vie très historique. Les problèmes qui se posent à nous, c'est surtout dans le cadre de l'environnement. Les moyens financiers dont dispose la commune sont extrêmement faibles, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en 2003, lorsque nous avons, dans le cadre du jumelage, du 30e anniversaire du jumelage entre Bakel et Apt, une ville qui est dans le Vaucluse, à côté de Marseille, nous nous sommes déplacés pour rencontrer les immigrés ressortissants de Bakel à Paris. Au cours de la discussion, beaucoup de choses ont été dites. Nous avons posé crûment le problème de Bakel. Comme il y avait ce problème d'assainissement, ils ont jugé bon, dans un premier temps, de nous appuyer en nous dotant une tonalisée, une citerne pour le vidange des fosses. Ça nous a rendu un très grand service. C'est ce qui nous aide jusqu'ici, compte tenu de l'état. Le sol est très rocheux. Certaines choses ici au niveau de Bakel, c'est extrêmement difficile. Nous avons encore des services, des additions d'eau qui ont été réalisées. L'électrification également, récemment, nous avons eu dans le cadre de notre collaboration avec, dans le cadre des opérations de Manantali, à faire quand même beaucoup d'extensions